Marseillais. Ce soir, chez vous, Elsa Fayère. Philippe Vandel. Bonsoir. Isabelle Alonso. Christine Bravo. Ouais. Philippe Gueluc. Ouais. Et faux Christophe à l'évêque. Oh. Oh. Faux Christophe, condoléances. Ah ça. Ça, on est passé à ça de la finale, à ça. Avant-hier soir, Monceau, effectivement, s'est fait éliminer par Sochaux. Après les prolongations, quand même. Mais oui, mais tu sais qu'ils ont J'ai pensé à vous. Oh là là, on a tenu 90 aussi. Minutes avec beaucoup de courage, de volonté. J'ai failli rentrer sur le terrain et là, ils ont fait non, quand même. Et ils étaient un peu fatigués, les joueurs, à la fin. Mais quel beau parcours. Et je tiens à les remercier encore une fois. Non. Merci. Beaucoup de bonheur. Comment ça se fait qu'ils tiennent 90 minutes, puis d'un seul coup, deux buts dans la dernière demi-heure de prolongation? Très bourguignon. Je ne sais pas. Non, mais ils sont tous comme ça dans la région. Regardez Christophe, parfois dans une émission, il est formidable pendant le début de l'émission, puis à la fin, il s'écroule. C'est les types bizarres. Alors, dépêchons-nous de passer tout de suite à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec une question que beaucoup d'électeurs se posent à deux jours du premier tour de la présidentielle. C'est Tinius qui nous signe ce dessin dans Marianne. Pour qui voter? Il y a quelqu'un qui dit « J'hésite entre Bravitude, Tracteur et Karcher ». Un bon résumé. Pour Cabu dans Le Canard enchaîné, cette fin de campagne a des airs de déjà-vu. Et on voit effectivement Sarkozy dans la bite de Gaulle et Ségolène dans celui de Mitterrand. Dans Le Canard enchaîné, Pétillon fait un point sur les bourdes prononcées par Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy au cours de la campagne. Et on voit un type qui fait alors une bourde de Sarkozy, c'est une croix. Une bourde de Ségolène Royal, trois. Pourquoi trois? Parce que. C'est un peu ça, hein. Alors, après un dessin vache pour Ségolène et pour Sarko, il fallait un dessin vache pour François Bayrou. Le voici avec Jules dans Charlie Hebdo, l'imagination au pouvoir. Alors que Michel Rocard vient, lui, d'appeler le Parti socialiste à rallier François Bayrou, Pétillon, dans Le Canard enchaîné, se souvient, et c'est vrai, moi, je m'en souvenais pas, que Ségolène Royal avait commandé un rapport à Michel Rocard. Et on voit Rocard rentrer tout penaud dans le bureau de Ségolène Royal qui fait « Alors, mon rapport sur l'économie numérique, tu en penses quoi ?» Je crois plus grand-chose aujourd'hui. Vous avez lu la brève dans Le Canard sur Rocard et Ségolène? Oui. C'est extraordinaire, brève extraordinaire dans Le Canard enchaîné. Mais est-ce que c'est vrai? Ségolène se rend compte qu'elle a oublié de citer Rocard dans sa liste d'éléphants qui la soutiennent. Mmh. Coup de fil de Rocard qui veut la voir. Elle dit évidemment, elle le reçoit. Et là, il lui dit, j'ai une idée. Ça se passe mal pour toi. Tu te désistes en ma faveur et moi, je me présente. Ah oui, bah, il est c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Rocard pensait pouvoir encore se présenter. Oui, mais c'est dingue, il est fou. Et voilà mais... pourquoi aujourd'hui, il va du côté de Bayrou. Mais oui, mais il n'a aucune popularité, il n'a rien. Aujourd'hui, il y a tellement de rumeurs et de manipulations sur les candidats. Ne croyez plus rien, faites-en qu'à votre tête, messieurs, dames. Voilà. On passe à l'affaire Forgeard avec un dessin d'Aurel qui nous illustre le parachute doré du patron voyou. C'est dans Marianne. Et encore plus drôle, je crois, dans Charlie Hebdo, sur le même sujet, un dessin de Charb. Et on voit le même Forgeard avec cette question « Pourquoi un parachute doré pour ralentir la chute de mes énormes couilles en or ?» Ça vous fait rire, ça, Isabelle, alors. Ah, j'adore, on dirait les couilles de Philippe Gueluc, en plus. Ouais. Ah bah dis donc, t'es bien renseigné. Enfin, celle qu'il dessine au chat, bien entendu, vous aviez bien compris, bien sûr. Ouais. Moi, je trouve ça indécent que les journalistes fassent pas leur travail. Personne n'allait voir Forgeard, personne lui a demandé son avis, personne n'est interrogé, personne de chez Airbus, tout le monde s'en lave les mains, moi je suis écœuré. Si j'étais journaliste et que j'avais que ça à faire, je mettrais une équipe en bas de chez lui. Ça dépend dans quel journal vous travaillez, parce que si c'est un journal du groupe Hachette, vous fermeriez votre gueule comme les autres. Ouais, peut-être aussi. Dans une radio du groupe Hachette. N'est-ce pas? Oui. Non mais quand même, il y a d'autres journaux, il y a de la presse indépendante, il y a des télévisions. Il faut quand même aller. Il y a Marianne et Le Canard enchaîné. Oui, mais il y a la 2, il y a la 1, il y a la 3, il y a la 4, il y a la 5, il y a la 6. Ouais. Non? Et il y a nous. Et il y a nous, mesdames et messieurs. Mais, on devrait aller en bas de chez lui, vraiment. Isabelle Alonso. Et il y a nous et les couilles, c'est notre rayon. Merci.
Dans l'hebdomadaire, Marianne Tinius nous signe ce dessin à propos des bracelets. Vous savez, les bracelets qu'on a mis dans certaines maternités pour enlever, enfin plutôt pour empêcher les kidnappings et les enlèvements de bébés. Les petits bébés ont un bracelet, non pas autour du poignet d'ailleurs, mais autour de la cheville. Et il y a un dessin Tinius qui fait l'antivol bébé, ça les prépare pour plus tard. Et on termine, ma chère Christine, avec d'excellents dessins signés Philippe Geluck cette semaine dans VSD. Regardez ce chat. Ça, c'est un des plus drôles que vous ayez dessiné. Ah, franchement, regardez ce chat qui dit « Si on était capable de voir à 40 000 km, on se verrait de dos. » Alors, moi, je dis monsieur. Merci. C'est... J'en ai d'autres, hein, si vous voulez, en magasin. Oh, ben, allons-y. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, elle a pas compris. Qu'il y a, Christine, elle pas compris. Si, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Combien tu me donnes pour que je ne le dise pas? Ah si, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est vrai que Philippe Geluck, il y a des dessins qui sont bien, et puis des fois, il est moins en forme, quoi. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester sur ce dessin-là. Non, elle a dit qu'il était un peu à la Monceau-les-Mines. Elle a dit que t'étais moins bon sur la fin, voilà. Attends, mais il faut vous mettre... T'as été vache avec mon ami. Alors voilà. Mais tu sais comme je l'aime, et tu sais comme je soutiens Monceau-les-Mines, moi aussi. En plus, ils ont une équipe qui va... C'est surtout les mines que vous soutenez plus que Monceau pour pouvoir dessiner. Il y a un autre dessin de Geluck cette semaine dans VSD, le supplice génial. Du pâle. Et on voit le chien qui fait « Oh non, pas encore du pâle ». Alors là, je ne comprends pas. Je l'ai regardé ce matin. Alors, est-ce qu'il y a un jeu de mots avec pâle? Oui, ça oui, je confirme. Oui. Tu es sur la piste. Cherche. Eh bien, je ne comprends pas le supplice du pâle. On va vous montrer. Nous parlons rarement bande dessinée dans cette émission, pas suffisamment, on nous le reproche parfois. Eh bien, justement, fin mars est sorti Les Trois Yeux des Gardiens du Tao aux éditions Dupuis, le tome 15 des aventures du héros milliardaire en blue jean, Largo Winch. L'événement a été de taille puisque Largo Winch compte plus de 10 millions de lecteurs en France. 450 000 exemplaires de cette BD ont déjà été vendus depuis sa parution. Autant dire que le succès de Largo Winch est total. Nous allons tout de suite accueillir l'un des papas de Largo Winch. Il s'agit du dessinateur Philippe Franck. C'est vrai que dans cette émission, nous parlons souvent des dessinateurs d'actualité, ceux qui font de la caricature et de la satire dans Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo et autres. Un peu moins souvent, hélas, on nous le reproche parfois de BD. S'il y a bien une BD qui cartonne et qui fonctionne, en dehors, parfois, d'ailleurs, il ne fait pas de la BD, lui, Geluck, mais en dehors des albums de Geluck. Mieux encore, c'est votre héros, Largo Winch. À chaque numéro, c'est un tabac. Oui, pareil. Mais je reprendrai quand même parce qu'à partir du moment où il y a du texte et de l'image, on peut appeler ça de la bande dessinée. Donc Philippe fait de la bande dessinée de la même manière que moi. Ce qui est dingue, c'est que les aventures d'un milliardaire intéressent autant finalement les... Parce que c'est pas un héros a priori, comme on me dit. Je connaissais pas Largo Winch, je dois dire. C'est le premier album que je tiens entre les mains. Je connaissais le succès, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose... Je sais pas, à partir du moment où on avait loupé le début, qu'on ne pouvait pas suivre par la suite, vous voyez? Si, bien sûr. En plus, souvent, quand la deuxième partie de l'histoire sort, on met une petite page de résumé pour que le lecteur qui n'aurait acheté que ce bouquin-là puisse comprendre quand même ce qui vient de monnayer. Mais ce n'est pas un milliardaire classique, Largo. C'est un milliardaire malgré lui, d'abord. Et ensuite, c'est quelqu'un de vraiment très humaniste. Il essaye de... quand même apporter une certaine morale dans les affaires. Alors parlez-moi, Isabelle Alonso, puisque vous avez lu la nouvelle aventure de Largo Winch, Les Trois Yeux des Gardiens du Tao, de ce milliardaire. Vous avez aimé? Alors, c'est une histoire, le scénario est très fort. C'est un exercice de style. Hein. Il y a toujours des intrigues financières très tarabiscotées. Le lecteur se sent intelligent. Un super-héros, super beau et tout, mais qui a commencé tout en bas de l'échelle. Le lecteur peut s'identifier. Et des gonzesses comme s'il en pleuvait, toutes très belles. Donc, si vous voulez, à la base, en plus, il est très riche, ça se passe dans des endroits magnifiques, c'est superbement dessiné. Donc, c'est hyper agréable à lire. Je fais un petit arrêt sur les femmes dans cette BD. Ça m'aurait étonné. Car elles sont amoureuses, inaccessibles, fuyantes, secrètes, belles comme le temps perdu, ardentes, telles les promesses qu'échangent les amants qu'en pointe le matin et que leur corps apaisé ne forme plus qu'un seul désir. Alors dites-le, elles ont été inspirées directement par les chroniqueuses dont on a tout essayé. Oui, bien sûr.
plus. Elles sont lesbiennes. J'ai rarement vu. Quand elles ont 5 minutes de libre, elles disent. Pas toutes, pas toutes. Franchement, jolie, vachement bien roulée, belle lesbienne. Justement, là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu le Tintin ou le Astérix de ces dernières années, l'Argot Winch, parce que les albums sortent régulièrement. Et surtout, ce qui m'a fait penser à ça, ce sont les. Voilà, voilà, ces pages-là. Parce que comme dans Astérix ou comme dans Tintin, on vous rappelle les personnages et qui ils sont. Vous voyez, et ça, c'est quand même. Non, mais c'est vrai, c'est pas dans toutes les BD qu'il y a ça. Mais il y a quelques citations d'ailleurs à Hergé et à Tintin dans cet album. Il y a un hôtel qui s'appelle le Blue Lotus, voilà. Le Lotus bleu. C'est pas pareil. Il y a quelques petites citations comme ça qui émaillent le bouquin. Mais moi, je suis un grand admirateur depuis toujours de ce qu'a fait Hergé. Mais je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Christine, moi, ce qui m'a le plus bluffé dans cet album, c'est ces vues absolument magnifiques de perspective. Je ne sais pas si vous bossez avec des photos, mais j'ai regardé sur Internet une photo, j'ai retrouvé les tours. Donc, en plus, vous devez faire gaffe à ça. Vendez. J'avais une question. Ce que peu de gens savent en France, c'est que les plus grosses ventes de livres, ce n'est pas les romans, ce n'est pas les essais, c'est la bande dessinée. Ouais. Est-ce que ça vous frustre qu'on ne parle pas de vous, qu'on ne voit pas comme des auteurs de best-sellers, ou au contraire, ça vous réjouit? Puisque vous n'êtes pas accusé de gagner beaucoup de sous. Je pense qu'ils préfèrent qu'on ne parle pas d'eux et en vendent beaucoup que le contraire. Voilà, c'était ma question. Alors. Non, ben voilà, c'est un état de fait. Bon, c'est vrai que peut-être, on va dire, le dessinateur de BD n'est peut-être pas vraiment le client idéal pour un plateau télé, parce que c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude d'être... C'est vrai que bon, le dessinateur qu'on va retirer de son atelier et qu'on va mettre sur un plateau de télé n'est peut-être pas aussi amusant qu'un quelqu'un dont c'est le métier d'être acteur ou chanteur, qui est habitué à rencontrer ou en tout cas être plongé dans un public. Vous fêterez le 40e anniversaire du Biblos, c'est ça? Oui, c'est... Je dois dire le nom, hein, du Biblos. Du Biblos, ouais. Alors, il faut dire que vous êtes allé là-bas pour dessiner justement... Un moment de cette aventure? Ça, c'est une histoire compliquée, en fait. Ça fait 5-6 ans qu'on réfléchit où et comment pouvoir introduire cet hôtel. Parce qu'au départ, c'était une requête ou une demande du patron du Biblos qui aurait bien aimé voir un jour débarquer l'Argot dans son hôtel. Ah bah voilà. Et c'est moi, génial, c'est quelque chose sur lequel, en général, je saute pieds joints parce que... Rentrer dans un hôtel avec de ce standing-là, on va dire, un hôtel 5 étoiles avec un appareil photo, il suffit qu'il y ait quelques têtes couronnées ou quelques personnalités du showbiz qui soient présentes. Et de toute manière, même si l'hôtel est vide, c'est totalement refusé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vouloir faire du repérage et des photos dans ce genre d'hôtel. La porte reste close. Donc pour une fois qu'on me le proposait, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas en profiter. Et le seul souci, c'était trouver une histoire qui le justifie et que ça ne soit pas gratuit et que ça n'arrive pas comme ça, plif-plof. Elsa Fayer. J'ai juste une petite question parce que j'ai cru lire dans la presse que bientôt, et vos fans vont être ravis, une adaptation au cinéma va se faire, oui. Que le casting est déjà bien avancé. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai? Le réalisateur serait Jérôme Salle, il a réalisé Anthony Zimmer, et votre personnage principal, donc l'Argot Winch, serait Tomer Sisley. Est-ce que vous validez? Effectivement, oui, c'est Tomer Sisley. Attendez, parce que là, on voit l'Argot Winch, Tomer Sisley, il lui ressemble pas du tout, quand même. C'est comme Elise Moon pour jouer James Bond. Ah non, exagère. Mais je dis pas qu'il est pas beau gosse, mais il correspond pas du tout à la. Mais vous allez lui redire les cheveux? Comment vous allez faire? Du moment qu'il ait du charme, une présence, un sourire intelligent pour incarner le rôle, après. Ils font un mec, un vrai mec. On est mec. Non, mais un mec plus viril, il fallait. Qui? Mais attendez. Mais j'ai déjà refusé, enfin. On n'imagine pas forcément milliardaire, Tomer Sisley. C'est une fiction. Non, mais c'est vrai que l'ossature du visage se prête un petit peu. Il a le visage un peu carré. Christophe Alévèque, alors. Oui. Oh, j'ai beaucoup aimé. Moi, ça se dévore. Comme un bon hot dog. C'est vrai. Non, comme les filles qu'il y a dedans, j'allais dire. qu'on ne croise jamais dans la vraie vie, d'ailleurs. C'est trop pour les croiser. Non, non, mais toi, la naine là-bas. Non, mais c'est vrai, elles ont des grandes jambes, elles sont sympathiques, elles sont ouvertes, elles sont accueillantes, elles sont tolérantes. Facile. Enfin, on sent qu'elles aiment ça, alors que dans la vraie vie, non. Par contre, moi, je préfère son pote dans l'histoire, moi. Je préfère Simon parce que lui, enfin, en tout cas, dans cette histoire-là, il emballe. Hein. Mais l'Argot, alors, que dalle. Hein. Est-ce qu'il a une vie sexuelle?
Il y a même à un moment donné, il va voir un vieux chinois, comme ça, qui s'appelle Tsai, et il va sur son île, comme ça, il arrive dans la chambre, et là, il y a deux filles. Trois filles superbes, et il leur dit, voilà la chambre, elle est garnie, vous faites ce que vous voulez. Et l'argot, il renvoie les gonzesses. Non, non. Et il dit, je suis content que l'esclavage ait été aboli. Voilà. C'est-à-dire, il fait de l'Isabelle Alonso. Ah, bravo, très bien. C'est terrible, ça. La grosse différence entre l'argot et son copain Simon, c'est vrai que Simon emballe à peu près tout ce qui bouge. L'argot, pour, on va dire, avoir une aventure avec une fille, il faut qu'il soit amoureux. Philippe Franck, Jean Van Ham, le dernier, l'argot Winch, combien vous en vendez à chaque fois, à peu près, rappelez-nous? Oh, ça doit être dans les 400 450 000. Entre 400 et 450 000 vendus à chaque exemplaire, ça paraît dingue. Il faut savoir qu'un bouquin qui sort, quand il a 100 000 exemplaires, c'est déjà un exploit. Même 50 000. Même 50 000, c'est déjà un exploit. On en est à 450 000. Un jour, peut-être, il y aura aussi Jérôme Bonaldi en bande dessinée. Pourquoi pas? Ça vient de sortir. La campagne électorale commence aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un truc vachement bien, c'est ça. Regardez comment ça marche. C'est, alors par exemple, là, c'est « je vote machin », d'accord? Ou bien « vote machin ». Mais l'intérêt de ce truc-là, attendez. L'intérêt de ce truc-là, c'est que vous le mettez comme ceci, hop, on en fait et un ça chapeau. Vous fait... Imaginez, regardez. Top. Vous l'avez vu? D'habitude, quand pourvu qu'on ne devienne pas aussi con que les Américains. Mais on peut le devenir. On peut le devenir. Imaginez un meeting complet politique. Les gens, ils feraient. Alors là, voilà. Un stade entier. Stop. Mousseau Lémine commence à gagner. Hop, ouais, goal. Mais l'intéressant, c'est que en une semaine seulement, vous donnez une photo, plutôt deux photos, et vous avez le carton lui-même. Tenez. Regardez le premier modèle. Vous êtes prêts? On sort ce côté-là. Regardez, imaginez. Une ça s'appelle Banane. Elle est pas belle, la vie. Attends, c'est pas bon, il y en a un qui l'a mis à l'envers. C'est magnifique. Et on retourne de l'autre côté. Hop. Et voilà. Un stade entier. Besançon. Votez Laurent Ruquier. Un stade entier, vous ça imaginez? Ça fait un drôle d'effet. Ça veut dire ça? Attends, vous pouvez vous mettre à la place de... Attends, Jérôme, qu'est-ce qu'ils vont devenir ensuite, ces petits appareils? Ils vont se promener dans Paris? Oui, on leur donne. Non, mais chacun va partir avec. Bah oui. Laurent, ta photo va être à 200 exemplaires dans la France. Et alors ils sont contents, les gens. Oui. Voilà. C'est un truc à devenir aussi mégalo-coé, ce truc-là. Oui, oui. Vous avez vu comme les gens, ils sont contents de se taper Ruquier sur la main. Comme c'est du carton biodégradable, enfin du carton recyclé, pardon, et que l'encre dessus est biodégradable, ça sera défalqué de vos frais de campagne. Ça s'appelle Banaboum. Banaboum, ouais. C'est sur le francebleu.fr. On dirait ce que c'est malin. Ça vous plaît? Ah ouais, très bien. Allez, on applaudit. Ouais. Jérôme Bonaldi. Gardez-en des applaudissements. Entre autres pour Philippe Franck, le dessinateur, et Jean Van Ham, le scénariste de l'Argo Winch. Et puis alors, le 16e est déjà dessiné ou pas? Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'on voit apparaître 16e aventure, la voie et la vertu. C'est-à-dire que vous avez déjà le titre, il est déjà dessiné et il est déjà prêt ou pas? Non, il n'est pas dessiné. J'ai le scénario dans un tiroir dans mon atelier et je commencerai à le mettre en chantier dès le mois de mai. On vous remercie d'être venu nous voir. Philippe Franck, le dessinateur de l'Argo Winch. Un tabac, il faut le dire, plus de 400 000 exemplaires vendus pour chaque album. Merci à vous. Merci à vous. En France, actuellement, 10 à 20 000 médecins pratiquent la mésothérapie, une technique qui consiste à injecter sous la peau des microdoses de substances médicamenteuses pour, entre autres, atténuer la cellulite ou contribuer au rajeunissement de la peau. Les adeptes de ces techniques seraient de plus en plus nombreux chez nous, et pourtant cette technique présente un certain nombre de risques. Cette semaine, par exemple, vous l'avez appris sûrement, une dizaine de patientes d'un généraliste parisien ont été infectées lors de séances de mésothérapie.
et ont dû donc subir, ces patientes, plusieurs opérations pour faire disparaître les abcès apparus sur leur corps suite à ces séances de mésothérapie. Pour parler de ce sujet, on va accueillir tout de suite le président de la Société française de la mésothérapie. J'imagine qu'il va défendre cette technique, monsieur Denis Laurence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes aussi responsable du diplôme interuniversitaire de la mésothérapie de la faculté à l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. En tout cas, votre spécialité, c'est la mésothérapie. C'est un terme que tout le monde ne connaît pas encore très bien, mais pourtant de plus en plus utilisé chez nous. Absolument. Moi, ma spécialité, c'est la médecine du sport. C'est-à-dire, je suis médecin du sport et dans ce cadre-là, on pratique la mésothérapie. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter les gens directement en regard de la zone malade quand il s'agit d'une tendinite, d'une entorse, de problèmes comme ça. Ça représente 70% des indications, si vous voulez, de la mésothérapie. Et donc le but, si vous voulez, c'est d'injecter des traitements non corticoïdes. Hein, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec une infiltration qui est toujours de la cortisone. Et là, c'est uniquement, au lieu de donner par voie orale, on l'applique en regard de la zone malade. Et 30% qui reste sur l'ensemble de la France consiste à traiter donc des indications esthétiques dont vous avez fait référence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'autre partie, et ça, évidemment, c'est de plus en plus prisé parce que tout le monde est un peu obsédé par l'esthétique depuis quelques années. Donc, l'autre idée, c'est de dire, tiens, voilà, c'est peut-être moins difficile qu'un régime, moins difficile qu'une liposuction ou autre. Et là, c'est un pistolet. Ouais. Hop, on applique ça sous la peau grâce à ce pistolet et on va d'un seul coup, alors, maigrir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne fait pas maigrir. Fondre? Pas du tout. Ça permet de drainer des zones cellulitiques qui sont donc consécutives à un mauvais retour veineux et lymphatique. Et ça permet donc d'affiner la silhouette, mais ça fait peut-être diminuer d'un ou deux kilos au maximum. Mais c'est pas le but de maigrir. Quand c'est présenté comme une technique amaigrissante, c'est un abus de langage, voire même un abus à visée mercantile. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 13 personnes qui ont été victimes manifestement d'un pistolet infecté, on peut dire ça comme ça, parce que je crois que c'est même pas la seringue. C'est le pistolet lui-même qui aurait été infecté. Bon, d'abord, je voudrais dire, si vous voulez, que c'est un accident tout à fait regrettable et qui me préoccupe beaucoup et qui me chagrine beaucoup parce que c'est une de nos élèves de la Salpêtrière, qui est un médecin qui travaille très bien, qui s'est installé donc il y a un an dans un cabinet de groupe où il y avait une pièce qui ne servait pas depuis plusieurs années et donc dans cette pièce il y avait un point d'eau. Et donc, il y a eu une manipulation malencontreuse de nettoyage de l'injecteur avec donc cette eau du robinet mélangée à un savon liquide. Mais ça se nettoie à l'eau, normalement ? C'est pas stérilisé avec un produit spécial ? On lave à l'eau et au savon, normalement ? Si vous voulez, il n'y a pas, et c'est là où je vais donc remettre les choses en place, si vous voulez, avec les fabricants d'injecteurs, il n'y avait pas de recommandation jusqu'à maintenant spécifique de nettoyage de ces injecteurs dans le mode d'emploi, si vous voulez, de ces injecteurs. Ce que vous appelez injecteur, c'est le pistolet qu'on voit là, on est bien d'accord. Ça, celui-là, il est purement mécanique, il est manuel. Les autres sont soit électromagnétiques, soit électropneumatiques. Ils sont en vente libre. Il ne faut pas un permis de port d'armes pour utiliser ce genre de pistolet. Mais n'importe quel praticien peut en acheter. Absolument. Et en utiliser. Et en utiliser. C'est malheureux. Et donc, si vous voyez... Mais il faut quand même s'y connaître en mésothérapie, alors. Non, mais ça, la vente, si vous voyez, il y a deux choses différentes. Bon, que je comprenne bien, là, parce que... Non, mais si vous voyez, il y a des diplômes, il y a un diplôme interuniversitaire qui se fait dans 5 facultés en France, si vous voulez, où les gens sont formés. À partir de là, après, il n'y a pas de jurisprudence, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Pour l'instant, c'est comme ça. J'espère que ça ne durera pas. Et là, ça fait plusieurs années où je me bats avec la Sécurité sociale pour justement que les médecins soient obligés de passer ce diplôme pour pouvoir pratiquer la mésothérapie en général et en particulier ses injecteurs. J'espère y arriver, mais vous savez qu'en France, on ne fait pas bouger les choses comme ça, vu qu'on change régulièrement de ministre de la Santé ou de directeur de la Sécu ou de tout ce que vous voudrez. Donc, bon, on essaye d'avancer. Bon, on va y arriver petit à petit. Mais je pense qu'il faut arriver à cette obligation de formation. Christine, qui est impatiente. Je dis qu'il y a des problèmes avec la mésothérapie. Heureusement que vous avez dit tout à l'heure que ça ne sert à rien, les filles, ça ne fait pas maigrir. Je ne sais même pas si ça draine. Si, je ne sais même pas si c'est vrai ce que vous racontez. Ça draine très bien. Ce que je sais, c'est que moi, je suis allée voir un mec qui m'a fait de la mésothérapie, effectivement, parce que je voulais perdre un peu de bide. Je me suis retrouvée, après 4 séances, j'avais des impacts aux impacts des aiguilles bleues. Bleu-violet. On m'a dit que ça allait disparaître. Ça n'a jamais disparu. Ah bon? Ça fait maintenant, ça fait 7 ans que ça, de ça. Et non, je ne vais pas vous montrer. Ça. Pourquoi je tu crois dire... qu'on l'appelle Stromfeb? Ce que je veux vous dire, c'est que c'est dangereux. Les mecs, ils piquent. Ils ont dû piquer dans des petits vaisseaux. Je ne sais pas ce que ça a fait. Vous devez connaître ce problème. Des gens qui se retrouvent avec des hématomes.
indélébile. Vous avez tout à fait raison sur le fait que ça ne fait absolument pas maigrir, et ça c'est encore un mensonge. Encore une fois, ça va drainer de la même façon que moi je vais drainer un œdème quand il y a un œdème sur une cheville après une entorse. Là on va drainer au niveau... Non mais ça c'est quand même très important. Si vous pouvez faire en sorte qu'une jeune femme perde deux tailles de pantalon, pour moi, et qu'elle se trouve mieux dans sa peau, c'est aussi important que si elle a un mal... Évidemment, à 100 euros l'injection. Sans régime. Je ne pratique pas la mésothérapie esthétique, si vous voulez, donc je peux en parler de façon tout à fait... Donc je ne prêche pas pour ma paroisse. Et donc, si je vous dis que quand c'est bien fait, avec un protocole rigoureux, et j'ai demandé aux médecins de la Société française qui font de la mésothérapie esthétique de créer une association spécifique, mais qui n'a que 3 ans, on est bien d'accord, qui s'appelle l'AMME, l'Association de médecine et de mésothérapie esthétique, pour que justement il y ait des protocoles scientifiquement prouvés, avec des médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché et qui correspondent vraiment, si vous voulez, à une action qu'on appelle hyposmolaire, peu importe, c'est-à-dire qui va faire partir cette eau, si vous voulez, qui est contenue, si vous voulez, au niveau des cuisses. Voilà. Elsa Fayer. Oui, moi aussi j'ai testé, Christine. J'ai pas été suffisamment assidue. J'avais pris après ma grossesse un peu de poids, il y en a qui est contente, elle est pleine de cellulite, elle a des trous partout. Non, c'est pas vrai. Plus maintenant. Non, quand j'ai accouché, j'étais un peu rondouillette et puis voilà, je me suis aidée avec ça. Mais moi, il y a quelque chose vraiment qui me fascine dans la mésothérapie, c'est qu'à chaque fois, on est entre guillemets toutes un petit peu victimes des magazines féminins qui chaque année nous sort une nouvelle méthode miracle pour perdre la cellulite, les petits bourrelets disgracieux, etc. Et que c'est lancé sur le marché. Depuis plus de 10 ans, la mésothérapie existe, en tout cas de façon esthétique, et qu'il n'y a que depuis 5 ans que finalement on régule un petit peu les choses et qu'on fait un diplôme de mésothérapeute. Donc est-ce qu'il ne serait pas plus logique de commencer par former, de faire un diplôme et ensuite qu'on puisse y aller ? Je vais éclairer votre lanterne, madame. Je vais vous dire, c'est très simple. La mésothérapie s'est inventée par un médecin de campagne en 1952, donc oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, le docteur Pister, qui est malheureusement décédé. Et que donc, pour rentrer à l'université, il faut quand même arriver à convaincre, si vous voulez, des universitaires, parce que tout ce qui n'a pas été inventé à l'université, ça ne peut pas être bien. Encore une fois, on ne bouscule pas les choses comme ça. Ça vous paraît quand même infiniment logique. Madame, vous avez mal ici, on vous soigne là. C'est quand même largement mieux que de vous faire avaler des médicaments qui vont vous tuer l'estomac, qui vont surtout vous pourrir le foie, qui est un filtre. Je vais vous donner un exemple très simple. Excusez-moi. C'est soigné par où ça fait mal, quoi, en quelque sorte. Oui, non, mais vous allez voir, vous allez comprendre très bien. 3 séances de mésothérapie, on fait 3 séances pour une tendinite. Ça représente la même dose qu'une journée par voie orale. Christophe, à l'évêque. D'abord, on peut constater à la lecture de ce dossier très intéressant que l'eau peut être dangereuse pour la santé. C'est bien pour ça que j'en bois désormais très rarement. Ensuite. Et quand est-ce que les femmes, mais quand est-ce que les femmes vont arrêter de ne penser qu'à leurs fesses et faire une fixation sur leurs fesses? La meilleure méthode, mesdames, mesdemoiselles, même les mamies. Même les mamies, pour perdre votre cellulite, c'est de faire l'amour. Faites l'amour, faites l'amour. Alors évidemment, si vous voulez faire l'amour, faut pas avoir trop de cellulite non plus. C'est le cercle vicieux. Et oui. Et vous dites, on fait bien de le répéter, que ce n'est absolument pas efficace contre la cellulite. Voilà. Et pour un coût, parce qu'on n'en a quand même pas parlé, pour un coût qui est de 45 à 75 euros par séance. Il faut un minimum de 15 séances, donc ça veut dire 1000 euros quand même, comme ça. Est-ce que vous trouvez normal que pour faire disparaître de la peau d'orange, ça coûte la peau des couilles? Très rapidement, il est fort. Vous êtes fort, monsieur l'évêque, vous êtes fort. Où on les trouve les bons mais... Parce que c'est toujours ça la question, parce qu'on se dit alors... On entend ça, mais dans quelques spécialités que ce soit, et particulièrement évidemment dans la chirurgie esthétique, pour la mésothérapie, mais pour la liposuction, pour d'autres, on nous dit qu'il faut aller voir le bon. Mais où on les trouve, les bons, et comment on sait qui est bon? Exactement. Eh bien, donc, vous avez deux choses. Vous avez d'abord, dans les pages jaunes, il y a une rubrique maintenant mésothérapie qui a été donc qui a fait suite à la création de ce diplôme, qui a été validé par le Conseil de l'Ordre. Donc, dans les pages jaunes, vous trouvez la liste ou sur le site de la société www.sfmésothérapie.fr. Mais ce que vous voulez dire, c'est que tous ceux qui sont dans les pages jaunes, ils sont bons? Absolument, parce qu'il n'y a que les gens qui sont titulaires du diplôme qui peuvent être dans les pages jaunes. Ok, j'ai bien compris. On vous remercie pour vos réponses, monsieur Denis Laurence. Merci. Avant notre dernière invitée, allez hop, tout le monde dans la campagne. Et on commence avec vous, Philippe Geluck et Christine Bravo, à propos d'un papier paru dans Studio, le magazine cinéma, puisque même les magazines cinéma
parle de la campagne présidentielle. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et je crois que Studio Magazine a demandé aux différents candidats quels étaient leurs films préférés, le dernier film qu'ils avaient vu, ou le premier film peut-être qu'ils avaient pu voir quand ils étaient gosses. J'ai trouvé ça rigolo et intéressant qu'on en parle. On commence par vous, Christine. Écoutez, on est dans une vieille politique, on a des vieux... Même s'il y a des nouveaux candidats, genre Ségolène, ça raconte toujours la même chose. Quand vous voyez ce que sont leurs goûts en cinéma, franchement, Ségolène, Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné. Un film de Carné qui est quand même pas quelque chose de très moderne, même si c'est un chef-d'œuvre absolu. Vous avez De Villiers et Voynet, Le Guépard. Alors bon, moi j'ai adoré le bouquin, Le Guépard. Bon, enfin, c'est pareil, c'est la chute de l'aristocratie italienne au siècle dernier. Film de Visconti avec Delon. Voilà. Tu as comme acteur préféré Gérard Philippe, Sarkozy. Tu as Gérard Philippe, Ségolène Royal. Oui, ça leur fait un point commun, tu me diras. François Bayrou, c'est Rému. Oui, c'est ça, François Bayrou, Rému. Mais alors, il y a une petite ressemblance toujours entre le candidat et son acteur préféré. Oui. Non, tout ça pour dire que finalement, le plus moderne, c'est Sarko. Avec un film, Sam, je suis Sam, si vous vous souvenez, c'est un film qui était magnifique, qui est sorti en 2002, qui a été nominé, je crois, même aux Oscars. Le plus moderne, ça dépend pourquoi, parce qu'actrice préférée, Ava Gardner... Oui, oui, mais je te parle du titre du film. Ouais, du film. Parce que, mais pas, sinon, t'as raison. C'est Ségolène Royal, il dit Meryl Streep, c'est un peu plus moderne, par exemple. Mais il y a aussi, on leur a demandé, quel est le titre du film qui résumait pour eux le mieux la campagne présidentielle. Ah. Alors, François Bayrou, c'est un choix centriste, c'est The Candidate. Ah. Bon, candidat... C'est très bien. Dominique Voynet, c'est Gladiator. Ça castagne bien. Ou Match Point. Philippe De Villiers, c'est La vie des autres. Un film qui cartonne encore. Un film en ce qui dans cartonne, les qui est un film formidable, mais enfin tout de même sur l'ex-Allemagne de l'Est et les trucs glauques qui se passent un petit peu. Glauque. Et puis Nicolas Sarkozy, Le jour le plus long. c'est depuis le temps qu'il attend son débarquement, lui. Est-ce qu'il va l'avoir ou est-ce qu'il va se faire repousser? Et Ségolène Royal. Et Ségolène Royal, le film de Truffaut, Vivement dimanche. c'est génial. Non, mais ils ont eu une bonne idée, Studio Magazine. Vandel. J'ai trouvé quelque chose. C'est un petit jeu qui est en ce moment sur Internet. Regardez, ça vous rappelait quelque chose? Regardez ces images. Il s'agit de mettre des coups de boule. Sauf que là, Zidane est remplacé par Ségolène Royal. Et au lieu de taper Materazzi, on a le choix entre Sarkozy, Le Pen ou Bayrou. Alors c'est pas fastoche, on en rate. Il y a un compteur qui indique le nombre de points. Et à la fin, moi, j'ai continué le plus possible. Et vous allez voir, moi, j'ai mon score. J'ai descendu 9 Sarkozy, 7 Bayrou et 10 Le Pen. Voilà. Et on l'a fait. Ségolène est son numéro 10. C'est très rigolo. On a parlé des grands candidats, Bayrou, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, les petits candidats, Christophe Alévèque. Oui, on ne s'intéresse pas assez aux petits qui vont rarement au final. C'est dans Paris Match qu'il y a toute une page qui dit « Les petits candidats vous saluent bien ». Oui, le petit Pousset va rarement au bout. Dommage, ce serait l'événement. alors on n'en parle pas. Comment on n'en parle pas beaucoup? On n'en parle ni en bien ni en mal. Et c'est quand même bien d'en parler en mal. Donc, je vais tous les flinguer un par un pour leur faire plaisir. Alors, on commence avec l'extrême gauche. Hein, donc là, il y a énormément de courant. À l'intérieur des courants, des prises de courant. Et finalement, très peu d'électricité au bout. Alors, le Parti communiste, bon, Marie-Georges Buffet, bon, ben, voilà. Ça, c'est du commentaire. Ça valait le coup. Hein. Si tu veux, quand j'étais jeune, j'entendais souvent « Il faut prendre l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. » Eh bien, elle est restée très jeune. Voilà. Besancenot. Le facteur. Le facteur. Alors, Besancenot. Ben alors, quand on demande aux gens comme ça, en général, dans les discussions, tout le monde dit « Il est gentil ». C'est vrai qu'il y a un mec qui dit « Comment il est gentil ?» Il est gentil, voilà, mais bon, il ne manquerait plus qu'il morde, hein, pour un facteur. Alors, José Bové. Ah oui, c'est ça. C'est José Bové. Pour avertir les chiens, on mettrait attention, facteur méchant. José Bové, il a réfléchi très très longtemps avant de se présenter, très très longtemps. Et en général, quand on réfléchit très longtemps, on fait une connerie. Et voilà, mais il a quand même un avantage sur le président sortant, il est déjà allé en tôle. Lutte ouvrière, Arlette Laguiller, bon ben c'est un moine, on est habitué, hein, c'est un moine, elle s'est dévouée bon, à la cause des pauvres pendant toute sa vie, bon ben c'est un peu l'abbé Pierre des travailleurs, travailleuses, enfin bon, elle a attendu le grand jour toute sa vie et puis elle est jamais tombée enceinte, voilà. Les Verts, Dominique Voynet, bon ben elle est à 1%, hein, pas de matière grasse, hein, mais...
Alors, les Verts, bon, sont en train de réussir totalement leur suicide politique cette année. Hein. Ils sont toujours pas d'accord sur la couleur de l'herbe. Chivardi, eh ben, il s'appelle Gérard. C'est voilà. Pas vrai. C'est vrai. Je te jure. Voilà, Frédéric News, donc chasse, pêche, nature et tradition. Son vrai métier, c'est, dans la vie, c'est agent de développement. Hein, sauf pour la campagne. Voilà, Philippe Devilliers, alors lui, il a bloqué. Moi, j'ai l'impression qu'il a bloqué, ce mec, il a bloqué une autre époque. Ce cerveau, il parle, il est toujours le traité de Maastricht. Non, mais c'est vrai, chaque fois, Pompidou, des sous. On lui a demandé la dernière fois, d'ailleurs, qui a gagné le Tour de France. Le dernier, il a dit Anquetil. Voilà, alors tous ces petits candidats, on s'en moque, mais sont, enfin moi je pense, l'expression totale de la plus grande démocratie. Alors, votez utile, votez inutile, vous ferez ce que vous voudrez, mais... Votez. Votez. Bilan de Christophe Alévêque pour les petits candidats, et très vite. Ah bah oui. Puisque parmi ces candidats... Les candidatures farfelues. Voilà, alors votez fou, justement. Quelqu'un t'a entendu, mon cher Christophe, il s'appelle Bruno Fulini, et il nous a fait un petit recueil de toutes les candidatures les plus folles depuis le début du suffrage universel. Alors, je vais commencer par une qui m'a fait mourir de rire. Au législatif, ça remonte. Hein. En 1893, une personne qui s'appelle Albert Capéron, ça va vous faire hurler de rire, propose l'aplanissement de la butte Montmartre ou, au cas où cette mesure serait trop coûteuse, la surélévation de Paris à la hauteur de Montmartre. Ça, c'est quand même... C'est extraordinaire. Génial. Moi, j'en rappelle. Un complètement barré, mais frappadingue fou, il s'appelle Agigi Mouna. C'est un vélo russionnaire. Donc, vélo, il est à vélo. Alors, il a fait ça de 1952 à 1990. Il déboulait à toute allure sur un vélo. Il brandissait un balai WC en disant que c'était son goupillon à merde et il faisait peur à tout le monde. Enfin, c'était un vrai hystérique, complètement anormal, mais qui était là, en tout cas, pendant pas mal d'années et qui faisait un petit peu de bruit. Et on finit, parce que ça continue aujourd'hui, Cindy Lee, et eh oui, au rayon rose. On l'a reçu. Voilà. Ah ben, ça continue. Donc, elle, c'est un parti pour le droit au plaisir. Et comme quoi, même en 2007, on a droit au plaisir grâce à Cindy Lee. Donc, si vous ne savez pas encore, mais cela dit, on peut plus tellement voter pour elle. Mais bon, voilà, c'est voter fou, voter Cindy Lee, pourquoi pas. Candidat bizarre, utopiste, chimérique, mystique, marginaux, farceur et farfelu. Ça s'appelle Voter fou. C'est aux éditions Auray. Merci, Elsa. Merci. Notre dernière invitée pour ce soir, c'est celle que les spécialistes considèrent comme la plus belle voix de la planète. Non, il ne s'agit pas d'une élève de la Starac, mais de la soprano américaine Renée Fleming. Outre ses nombreuses performances dans les plus prestigieux opéras du monde entier, Madame Renée Fleming a aussi chanté devant 50 chefs d'État à Saint-Pétersbourg pour le 300e anniversaire de la ville, et aussi, souvenez-vous, sur le Ground Zero à New York après la tragédie du 11 septembre devant 9000 personnes en deuil. Ce soir et samedi prochain, puisqu'elle est cette semaine à Paris, Renée Fleming sera au Théâtre du Châtelet dans Thaïs de Massenet. Il y a également cet album, Homage, The Edge of the Diva. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Renée Fleming. Bonsoir, bienvenue. Et merci d'accepter de venir dans une émission populaire de divertissement, mais c'est bien ainsi de montrer ce qu'est l'opéra aujourd'hui et d'aller à la rencontre d'une des plus belles voix, si ce n'est la plus belle voix de la planète. Vous rougissez encore quand on vous dit ça? Ah oui, 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 moi non, c'est gentil. Je suis toujours très heureuse d'entendre ça. Merci. Vous êtes une Américaine qui parlait très bien français. Il faut dire que vous avez un pied aux États-Unis et un pied à Paris régulièrement. C'est la deuxième maison pour moi, Paris. Voilà. J'ai un appartement ici et mes enfants sont très contents ici. Dans le Marais. Exactement, le Marais. Il y a plein de gens très gays là-bas. Parce que vous chantez cet opéra, Thaïs, en français, il faut le dire. Honnêtement, en français, oui. Honnêtement, en français. Oui, oui. C'est la langue que j'adore parce que ça place la voix très bien. La résonance est mieux que dans les autres langues. Ah bon? Les gens disent oui. Je crois que c'était l'italien. Oui, c'est les nasales. La nasalité de la langue m'aide beaucoup quand je chante. C'est pas seulement une chanteuse, une cantatrice, c'est aussi une interprète et un peu une comédienne, en tout cas, de plus en plus dans l'opéra aujourd'hui. C'est ce qui fait d'ailleurs le talent d'une véritable interprète. Donc le rôle
que vous jouez dans cet opéra. Vous pouvez nous expliquer. C'est une courtisane égyptienne. Exactement. Thaïs, elle commence comme courtisane et enfin elle est sainte. On est au sixième siècle. Sainte, enfin. Voilà, on est au sixième siècle. Mais c'est dans des décors et des costumes contemporains, alors. Oui, exactement. On va vous voir chanter, alors, non pas, hélas, dans Thaïs, il faudra aller au Châtelet cette semaine pour vous y voir, ou peut-être cet été, le 3 août, au Théâtre Antique d'Orange. Là, ce sera un concert lyrique. Là, vous chantez différents mots. Les airs italiennes et français, oui, exactement. Voilà. Oui, un peu, première fois. Un peu comme dans cet album, Hommage, The Edge of the Diva. Et on a choisi un extrait, La Tosca de Puccini, qu'on vous propose de regarder maintenant. Je voudrais dire, parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte sur disque ni à la télévision, comme c'est impressionnant de voir quelqu'un qui pratique votre métier et évidemment comme vous le pratiquez. Et je crois qu'il n'y en a pas vu quelqu'un sur la scène chanter devant une salle immense, sans micro, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il faut aller, même une fois dans sa vie, même à des places bon marché, aller voir de l'opéra. À l'Opéra Bastille, il y a souvent des places bon marché. Je ne sais pas si vous avez récemment chanté à l'Opéra Bastille, mais j'imagine que ça vous est arrivé. Mais au Châtelet aussi, on peut sûrement trouver des places à bon marché au dernier moment. Isabelle, vous voulez ajouter quelque chose sur le disque ? C'est vrai que c'est une expérience d'aller les écouter en direct. Je voulais juste dire que quiconque a écouté ça et n'a pas les poils des bras qui s'horripilent, qui se redressent... J'ai même trouvé des poils que je ne savais pas que j'avais. Je te jure. J'ai même trouvé des poils qui n'étaient pas à moi. Christine. J'ai lu votre plus grand interdit, je m'interdis la colère. Crier, il n'y a rien de plus dangereux pour la voix. Alors quand vous engueulez très fort avec votre mec, comment vous faites? Ouais, je ne sais pas comment dire, mais le problème, je ne peux pas crier comme les autres mères. Alors, comment vous faites? Je l'ai fait une fois. J'ai eu un problème terrible et je devais annuler 2 concerts parce que j'ai fait quelque chose mal à la voix. Ça, c'est génial problème. Pour vos gosses. Je dois le faire comme ça. En fait, les enfants attendent la veille des concerts pour faire des conneries. Non, c'est plus effectif comme ça. Elle ne sera jamais cantatrice, Christine. Non. Philippe. Je reviens à l'effet que vous produisez. Moi, ce qui m'a vraiment séduit, en dehors du fait que vous avez une technique incroyable, c'est que ce n'est pas orthodoxe. Vous ne chantez pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on entend même votre souffle. Comme vous avez joué une courtisane, je ne vais pas vous faire injure, mais parfois, vous soufflez tellement fort, on se demande si vous allez jouir ou si vous allez pleurer. Oh. Et alors, je lisais vos déclarations et vous parliez de Miles Davis. Et Miles Davis, le trompettiste, disait « Je dois séduire le cœur des spectatrices. Elles doivent toutes être folles de moi dans la salle. Et moi, disiez-vous, je voudrais être la Miles Davis au féminin. » Alors, ça a marché sur moi. Et comment faites-vous? J'aime bien qu'il a dit ça, oui. Non, je dois être toujours un peu sexy. C'est parce que le public attend ça. C'est important que nous, d'avoir ce sens d'être émouvés par la musique. Nous devons jouer. Nous, c'est la charisme qui est le plus important. Et l'autre chose qui, je pense, qui est très importante pour nous, est-ce que le public comprend que nous sommes le seul contretiste qui n'ont pas les microphones. La voix est totalement naturelle. Elsa Fayard, vous connaissiez Madame Renée Fleming? Oui, je la connaissais. Non, mais alors, je dois dire que le chant lyrique, je dois être la seule autour de cette table, j'y suis un petit peu insensible. Honnêtement, moi, ça ne me hérisse pas les poils, donc je pense qu'il faut aller voir une fois. Encore quelqu'un à convaincre. Ou alors elle est épilée. Pour comprendre la démonstration, pour comprendre la force vocale, voilà. Moi, c'est vrai qu'en CD, ça ne me procure pas une sensation incroyable. Mais en revanche, ce que je trouve absolument sympathique chez vous et ce qui me donne envie d'aller vous voir sur scène, c'est que vous n'avez pas honte de dire dans les déclarations que vous faites à la presse que vous écoutez de la musique populaire. Vous avez même fait un album où vous chantez des chansons de Stevie Wonder, de Joni Mitchell et même des Beatles. Alors, je vais vous demander, mais alors, une grande faveur. Est-ce que vous me feriez le privilège de me chanter un tout petit refrain de Stevie Wonder, juste pour moi? C'est possible. Ah, c'est cela dit, c'est My Cherie et moi. Mais c'est sur cet album. Oui, c'est sur cet album, My Cherie et moi. Non, mais c'est du bas, c'est totalement bas. C'est une autre technique tout entier. Mais quand je chante du jazz... Jamais une cantatrice chante en dehors de la scène. Jamais, ça, si.
À part chez elle. Oui, exactement. Oui, non, oui. Non, chez moi, dans la douche, naturellement. Je dois faire la voix, Oui, exactement. Mais sur un plateau télé, c'est comme j'ai peur. C'est exactement. Ah bon, c'est interdit. Oui, c'est comme j'ai peur. C'est ma bobo. C'est dans cette. In the night when we're apart. C'est tout bas, tout intime. C'est totalement différent. Ça vous va? Merci, oui. Christophe! Moi, ça marche. Vous marchez sur moi. Parce que nous, en soprano, en France, on a Roselyne Bachelot. C'est un nom. C'est un nom. Il avait longtemps. Il avait longtemps. Mais figure-toi que je suis resté bloqué dans le TGV avec elle 2 heures. C'est pas vrai. Comment il va? Eh ben, j'en sais rien. Elle était au bar. Je suis allé un wagon numéro 1. D'habitude, je croyais qu'elle regardait passer le TGV. Je pensais pas qu'elle était dedans. On va encore envoyer des fleurs. J'ai lu dans votre bio, il vous est arrivé quelque chose avec votre psy. Ouais. Voilà. Quand vous avez connu une grande ascension, tout d'un coup vous êtes devenu une star internationale, votre psychiatre vous a expliqué, vous n'alliez pas très bien, vous a expliqué que tu es allé trop loin, tu n'étais pas censé sortir du lot, tu as perdu tes racines, au fond de toi tu es une perdante, une éternelle seconde, et tu ne devrais pas être là. Où tu es au sommet. Vous l'avez revu, ce con-là, ou J'ai eu le trac 2-3 fois dans ma vie, et ça, c'est une chose terriblement difficile. J'ai la bonne chance que je chante encore, parce que j'ai voulu arrêter. Et pour moi, la dernière fois, c'était le plus sérieux. Ça a duré presque un an. Et j'ai eu une professeure du chant qui était avec moi tous les jours, qui a dit, tu dois chanter tous les spectacles, tu ne dois pas annuler un concert. C'est pas du tout possible parce qu'elle a compris que si j'annule, je ne chante pas plus. Ouais, c'est fini. Et elle a eu raison. Gueluc. Nous avons salué votre talent, votre voix, comme on disait, l'une des plus belles du monde, votre simplicité. Je voudrais aussi souligner votre humour parce que vous racontez la carrière d'une cantatrice en 5 points. En 1... Disons, on se met dans la tête d'un directeur de théâtre ou directeur d'opéra. 1. Qui est René Fleming? 2. Le succès quelques arrive. Années plus tard, voilà. Quelques années plus tard, il me faut René Fleming. Quelques années plus tard, je veux la Fleming, mais bon marché. Quelques années plus tard, cherchez-moi la nouvelle Fleming. Et de nombreuses années plus tard, qui est René Fleming? Eh oui. Rendez. On a salué votre talent, votre humour, toutes ces choses-là, et pas votre beauté. Juste une chose, quand une femme est belle... Les yeux. Quand une femme est très belle, comme c'est votre cas, les hommes sont après elle. Quand elle est une diva, une cantatrice, sont après elle. Quand on est belle et une cantatrice, quelle est la chose la plus folle qu'un fan ait fait pour vous séduire, pour vous conquérir? Oh, les fans. Oh, j'ai reçu trop de fleurs dans ma vie, je dois dire. Mais ça c'est une chose que j'aime bien, vraiment. Mais vraiment trop de chocolat. Ça, c'est trop dangereux. Pas de chocolat. Mais j'aime bien ça, c'est naturellement. Mais on pense toujours que les divas du chocolat, du parfum, des fleurs, du champagne. Mais c'est mais pas alors, mal. Qu'est-ce qu'on vous a fait de plus fou? Un dîner chez Flunch, elle était heureuse. Ouais. Oui. Christine. On a une image des divas un peu poussiéreuses. Vous voyez, on se souvient de la Callas, des batailles qu'il y avait quand elle chantait. Est-ce que dans votre génération, vous partez en tournée aussi. Est-ce que vous êtes une bande de joyeux déconneurs entre chanteurs lyriques? Ou alors, est-ce que vous êtes des bonnets de nuit, genre, je rentre à l'hôtel, je prends ma soupe avec l'eau, faut pas que ça filme autour? Est-ce que c'est un univers un peu festif? Nous travaillons très, et nous jouons très beaucoup. Nous jouons aussi comme ça, parce que le style de vie est très difficile, parce que nous sommes toujours en voyage. Je suis venue il y a une semaine de Beijing. J'étais en Asie un mois et j'ai chanté presque tous les soirs dans un autre pays. Mais l'ambiance, comment c'est l'ambiance entre lyriques? Elle veut savoir, est-ce que vous allez en boîte et que vous picolez? Voilà. Est-ce que vous faites la fête? Est-ce qu'elle veut savoir? Est-ce que vous vous tapez des mecs? Enfin, des trucs normaux, des trucs de star, des trucs de star. Pas souvent. Pas assez souvent. Non.
Hommage, The Edge of the Diva, René Fleming, la soprano, avec, qui dirige l'orchestre là, sur cet enregistrement? Valérie Gergiev, voilà. Un des grands maestros. Alors ça, c'est un album d'un autre genre. Du jazz. Voilà, de jazz, de René Fleming, et vous pourrez l'applaudir. Peut-être vous aurez cette chance le 3 août prochain au Théâtre Antique d'Orange, et cette semaine à Paris, au Châtelet, dans Thaïs de Massenet. Restez quelques minutes encore avec nous, juste le temps d'infos réactions. Et justement, la première réaction que je vais vous demander, puisque vous êtes américaine, c'est la réaction sur ce drame en Virginie et le portrait, le profil de ce meurtrier sur un campus universitaire. J'imagine que quand vous êtes ici en France et qu'il se passe ça là-bas aux États-Unis, vous devez être terrorisée et vous devez vivre dans quel monde on vit. C'est tellement triste. Je ne peux pas imaginer d'être une des parents de les jeunes qui a été tuée par ça. C'est incroyable. Christine veut réagir. En 1984, j'étais sur le parking du fameux massacre de San Isidro, le massacre du McDonald's. Uh-huh. 21 morts, 19 blessés. Moi, j'étais pas dans le McDo, j'étais dans le Burger King. Mais j'avais choisi au dernier moment. Vous savez, 77 minutes, le mec a tiré. Il y a eu, pendant 77 minutes, aucune intervention de la police. Il est arrivé avec des flingues. Il a tiré au pistolet automatique. C'est-à-dire, c'est pas les petits pétards à 3 balles. C'est du gros, gros calibre. Moi, j'ai été traumatisée. Je ne comprends pas que l'Amérique ne se regarde pas dans les yeux et ne dise pas, il ne faut plus vendre. Écoutez, ils ne vendent pas d'alcool aux mineurs, nom de Dieu. Ils ne vendent, alors qu'en France, oui. Il faut faire comme dit Christine, il faut vendre de l'alcool et des armes. Comme ça, au moins, ils tirent à côté. Moi, un chiffre qui m'a fait froid dans le dos, c'est que là, tu parlais de 20 morts. Là, ce coup-ci, il y en a une trentaine. Mais aux États-Unis, c'est 30 000 morts par an à cause des armes. C'est comme s'il y avait 6 000 morts rapportés à la France. C'est terrible. À partir du moment où il y a 30 000 morts par an et il y en a un petit peu plus chaque année, je trouve qu'on verse aujourd'hui un peu des larmes de crocodile parce qu'il y en a eu 30 d'un coup. Il y en a tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut râler. C'est tous les jours qu'il faut se révolter parce que c'est encore une fois un mort, plus un mort, plus un mort. Autre info, autre réaction. Alors là, c'est un peu curieux parce que ça s'appelle chez nous L'attaque de la moussaka géante, c'est en fait le titre d'un film qui ne vous dit peut-être rien parce que ce film-là, c'est un nanar. Et alors un nanar, chez nous, c'est un navet. Je ne sais pas comment vous dites aux États-Unis un mauvais film, un navet, un nanar. Independence Day, des trucs comme ça. Alors il y a un site internet qui recense les plus mauvais films, les navets. Elsa et Philippe. C'est énorme. Alors on va détendre un petit peu l'atmosphère pour les amoureux des nanars parce qu'il y en a énormément à travers le monde. Un site internet qui répertorie tous les plus grands navets de l'histoire de cinéma. Alors par catégorie, on a les pires acteurs de navets, on a les pires affiches de navets, on a les pires extraits de navets. Les trois rois en la matière sont Chuck Norris, Steven Seagal et aussi Sylvester Stallone. On va commencer par mon petit chouchou, c'est Chuck Norris. Alors c'est dans le film Invasion USA. On va écouter un petit extrait, vous allez voir, ça veut son pesant de cacahuètes. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Donc, quelle horreur! Chuck Norris abuse de la métaphore douteuse, mais c'est pas tout. Alors, un deuxième film de Chuck Norris, ça s'appelle Broadback, Portée disparue numéro 3, parce qu'il y en a eu deux avant. Et là, vous allez voir, il nous livre une sacrée menace, on va dire une menace à la Chuck. Écoutez. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Moi, ça m'éclate personnellement. Comment s'appelle le site Nanarland? Alors, le site s'appelle Nanarland. Madame René Fleffy... Pardon. Madame René... Ça arrive. Madame René Fleming, vous comprenez mieux pourquoi elle ne comprend pas l'opéra. Une dernière photo. Une dernière photo. Alors, il fait le trajet inverse de ce que vous faites vous régulièrement, c'est-à-dire quitter les États-Unis pour venir en Europe. Lui, il quitte l'Europe pour les États-Unis puisqu'il va jouer là-bas, à Los Angeles. C'est David Beckham. Et alors, la nouveauté, c'est un tatouage. Il a un nouveau tatouage. C'est le scoop de la semaine. Hein, on voit son bras. On ne sait pas trop si c'est un tatouage ou un tatou. D'ailleurs, je ne fais pas bien la différence. Vous qui êtes une experte. On dirait un tatouage, un vrai. Et je pense qu'il a les
plan pour sortir en vitesse de la maison que lui a louée sa femme Victoria Beckham. Il veut se sauver à tout prix, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Ah, vous croyez que c'est ça comme Prison Break quoi. Oui, mais il a tatoué le l'itinéraire pour sortir de chez lui. Vous l'avez croisé déjà, David Beckham? Non, je n'ai pas. Elle préfère Scofield, mais je suis sûre. Est-ce qu'on pense que c'est vrai, vraiment? Parce que moi, j'ai le sens que c'est peut-être quelque chose, un tatouage, un décalco, évidemment. Oui, une décoration. Vous êtes moins tatoués, hein, les ténors et les cantatrices, que les footballeurs. Non, les ténors, pas du tout. Pas du tout. Ils sont tout doux. Mais ils sont pas sexy, les ténors. Vous les trouvez sexy? Ça dépend. Non, plus les basses, plus les baritons. Et les baritons, Athanaël. Avec dans le tarif, c'est avec moi. Oh, voilà, oui. Au Châtelet, en ce moment, son baryton à elle, il est sexy. Je ne peux pas dire autrement, elle retrouve ce soir et demain et après-demain au théâtre du Châtelet. René Fleming, merci. À demain.